tempête ce matin, enfin, dans la nuit, et 3 vers 10 heures là. On va essayer. Bon, je voulais voir, l'autre jour j'ai essayé de semer en revenant, mais tu vois, ça se met pas du tout. C'est pour ça que faut que je gratte. Mais il y a un truc qui me fait chier. Ça bourre sur ce côté là, je comprends pas, va falloir que je regarde ça. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu plus de paille tête, mais je vais diminuer le terrage peut-être. Parce qu'on l'a pris là-bas. On a fait un espèce de paquet. Et dans le coup, ben, j'ai en profité pour aller regarder à côté là. Tu vois le semis. Il y avait quelques grains en surface, mais c'était pas bien méchant. Bon, salut à tous, bah, là j'en profite qu'il fasse jour pour vous prendre avec moi. Bon, bah, ça a l'air d'aller pas trop mal parce que là je suis dans la partie la plus moche. Ouais, tu vois là le grain derrière le peigne, bon les roues ça sera peut-être pas sensationnel. Et bon, on va pas faire les difficiles parce que comme j'en ai chié hier, bah allez, je vais pouvoir embaucher quand même, putain. Oh, ça fait plaisir quand même, putain. On va peut-être finir en beauté. Bon là, tu vois, hier, c'est là où j'ai commencé à gratter à 15h, ça allait pas. Et après, tu vois, j'avais trouvé les réglages quand même. C'est que ça grattait trop, de toute façon c'était frais, et puis tu vois, bah, ça colle même pas aux roues. Et ça enfouit à peu près, sauf derrière les roues, mais bon, à l'époque, hein, il va bien germer. Il y aura quelques pertes, et puis voilà. Oh putain, j'en ai marre. Putain d'année de merde. Bon, ça gratte tant bien que mal. Tant pis, il y a quelques plaques. Mais bon, ça va semer comme ça un petit peu mieux. Là, je viens de débourrer l'autre côté parce que... Regarde-moi ça, ce bordel. Je le sens tout de suite. Là, tu vois, ça s'est bloqué le rouleau. Les doubles rouleaux, j'aurais dû les enlever. Mais bon, tant pis, maintenant, c'est comme ça. Je vais essayer d'arriver à finir. Ça me fait chier. Bon, ben on va essayer de finir de semer, non sans mal. Bon, ce matin c'est gelé, mais hier j'ai fait un boulot de gorée comme on dit, mais bon, fallait que j'ouvre le terrain, ça n'avait pas été gratté depuis le mois d'août, enfin, après la moisson. Avec la paille, je me suis fait un peu chier parce que forcément il y avait un volume de paille à détruire. Je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais il y avait beaucoup de paille. Vous voyez là, tout ce qui est blanc là, c'est de la paille. Et je peux vous dire que le vibro, bah, on va avoir du boulot à faire. J'ai enlevé peut-être deux brouettes de terre hier, parce qu'il y a des ronds argileux comme ici, et en bas, vous vous souvenez bah, où j'ai gueulé d'ailleurs. La bouche, la buse était bouchée, putain. Ouais, le... Bon, faut pas que je fasse de conneries. Ah putain. Bon, vous voyez dans les chintes, bah, là où je passe les pneus, je pense que ça n'aidera pas. Et bon, ça va être minime. Bah, si ça sèche tantôt et demain, ce que j'ai crainte que ça séchait pas. Et puis voilà. Hein. C'est là, on est quelle heure? Merde, j'ai. Ah si, j'ai ma montre. On est 8h18. J'ai fait tous les tours des chintes. Je suis peut-être 2 hectares de fait. Et on va essayer de finir avant que ça dégèle. Parce que sinon ça va être la merde. Parce que putain,
De toute façon, vous voyez, hier, là, regardez, c'est dans mes premiers tours vers 15h. Forcément, ça avait tombé 3 mm le matin, qui n'était pas prévu. Ils avaient dit, oh, bah, ça sera des brumes. Bon, bah, ouais, des brumes, 3 mm, c'est une brume. Là, la météo, elle est complètement à la rue. Alors, demain, ils ne savent pas trop. J'ai quand même envie que ça grêle ici et en fait dans la cuvette là, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait de l'eau là et une poche de l'autre côté où j'ai fait le semi-direct, enfin direct sur tournesol. Bon, c'est pas trop vilain, hein. Mais là vous voyez ici, bah, j'en ai chié. Là en fait c'est que j'avais dû la paille s'accumuler dans le rouleau. Et j'avais été obligé d'arrêter. Ouais, vous voyez, il y avait des paquets. Ça se collait en fait. Il y avait plein de vers de terre aussi en même temps. Et ça se collait dans le rouleau, dans les roues. Enfin, il y a un chantier pas possible à nettoyer. Et sinon, la qualité de semis, pour le. On est quand même à 425 mm. On est le 2 décembre. On va peut-être pas être trop regardant. Mais bon, c'est motu. Je verrai au printemps si ça fait beau. Parce que j'ai l'impression que tous les hivers maintenant, ça va être la merde. Il va falloir trouver des solutions. Mais semez plus tôt, vous êtes marrants, il y en a, ils me disent fallait que tu sèmes tout avant la pluie. Ici là c'est un second blé. Si j'avais semé avant la pluie, je sais pas les maladies, le régras, les pucerons. Bon au final les pucerons, ils scaillent les miches, ils font comme nous. Hein. Les pucerons, ouais, ils ont froid. Ouais, vous voyez, à côté, là, c'était en semi-direct. J'avais juste passé un coup de déchômeur à dents. Il y a le piège à limaces aussi. Déchômeur à dents. Pas à dents, à disque, con. Oh putain, je suis pas réveillé ce matin. Déchômeur à dents. Début septembre. Ouais, vous voyez, dans les chintes, hein. Faut pas être trop difficile, hein. Déjà, ça colle pas aux roues. Putain, ça, c'est con, par contre. Il devait y avoir du vent demain. C'est, je sais pas si vous savez, quand le ciel est orange, enfin orange rosé, ça va pleuvoir. Enfin, il y a du vent et après lundi, c'est sûr que ça pleut. Mais j'étais pas trop confiant hier soir parce qu'ils annonçaient moins 1. On savait pas trop quand ça allait geler. Ça s'est mis à geler. Quand je me suis levé à 6h. C'était à peine gelé l'air. Mais après, là, ça a gelé à. Quand je suis arrivé à 7h. À 7h, j'ai fait un essai. Ça m'a déboté les roues d'un coup. Parce que putain, hier soir, c'était chouette. Et puis voilà. Hein. Je pense qu'on va. Enfin, je parle pas trop vite quand même. Parce qu'on sait jamais, peut y avoir une couille. Dimanche dernier, c'était la catastrophe. Problème de semence, de févrole, qui collait au doseur. Et là, on va peut-être pouvoir manger les crêpes. Et comme ça, on aura plus que les cultures de printemps à faire. Ouais, vous voyez, là, j'étais obligé de débourrer le vibro parce que. Dans la côte là, ça, il tirait plus, il est descendu à 1300 tours. J'ai dit là, il faut que je débourre parce qu'il va caler. Et putain, dans la chaîne du haut, ça patinait le long du bois. Parce que c'était en train de revenir, ça faisait nuit hier soir. Et en bas, putain, c'est dommage, j'ai pas pu vous le prendre en vidéo, mais sur 100 mètres, il y a une flamme. Rouge qui est sorti du pot d'échappement. C'était tellement dur en bas là-bas. Forcément, j'avais fait couler la flaque d'eau de 100 mètres cubes, je crois, de l'autre côté. Alors, couillon, ça avait durci.
Mais le copain, celle-là, dès qu'elle a miné, je te garantis que les écolos, là, il y en a peut-être quelques-uns qui sont morts. Mais bon, ils ont rendu pain. Ouais. Tant que ça... C'est là que je suis en train de faire les jalons, faut pas que je fasse ce con quand même. Tant que ça reste comme ça, ben, on va en profiter. Je vais peut-être pouvoir enlever la réductée. Ces couillons dans la chinte là, en deuxième grande, je te garantis que tu sautes au plafond. Parce que forcément, à chaque bout, des fois, ça débourrait cette putain de paille là. J'aurais failli, je sais pas, gratter un autre coup, mais ça a tellement fait sec cet été. C'est ça, on a des... Je comprends pas, ils nous foutent des contraintes, mais on est mal. Hein. Là, bah, dans le coup, il y avait des follavoine qui étaient nés, et puis, bah, je pense qu'il y en a qui vont repiquer, mais bon, je peux pas passer du glypho, ça fait trop froid. Ça a monté à 3 degrés tantôt, je crois. Mais tant pis, hein. Je les aurai au désherbage, faudra que je fasse un anti-follavoine un peu plus tôt, parce que c'est là-bas qu'il y, a, il y avait deux ronds qui avaient né. Ouais, bon, dans les roues de tracteur, je vois les grains en surface. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? À cette époque, hein, faut pas faire la fine goule, comme on dit. Si vous voulez avoir un petit peu de baguette, on est obligé de semer. Parce que après, bah, je sais pas quand on va semer. Je crois que là, 2 décembre, c'est le dernier carat. Parce que si l'eau revient comme ici, vous voyez, là, il y avait eu l'eau. Et de l'autre côté, là-bas, où la buse était bouchée. Ah putain, bah ouais, là, je passe dans les machins où ça a débourré. C'est pour ça que je peux pas prendre encore la deuxième. Mais après, je vais pouvoir. Parce que sur les cailloux, c'est con, hein, ça allait très bien. Mais là où l'eau a roulé, stagné, en haut j'ai 2 poches d'argile. Je peux vous garantir que le vibro, il est dans un état pitoyable. Bon, je vais vous laisser, moi, je vais continuer de semer. Et bon courage encore à tous les sinistrés. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas semer. Allez, salut! À fond les ballons! Allez hop! C'est gelé, on sème! On va peut-être finir à semer, bordel de merde! Là, je te garantis que ça enchaîne les hectares! Là, ça commence à dégeler, là tout à l'heure j'ai bouché 3 descentes. Et ça commence à recoller aux pneus, bordel de merde! Il reste peut-être un petit hectare, je vais forcer.